Ton troisième œil. Eh bien oui, bienvenue en ce dimanche. Bienvenue sur Téternel, en ce dimanche 3 février. Premier dimanche du mois. Bon, ben, je suis pas allé voir le prieur. Les francs-maçons, finalement, non. Donc, dans l'accord de la partition de la vie, nous sommes pour le sol. C'est un dimanche sol air. Vas-y, cool, parce que tu reviens du rond-point de la ville, tu reviens de la noosphère. Il va falloir s'inscrire, hein, tout est fait en sorte que vos âmes soient débranchées. La noosphère, c'est comme un gros nuage, où c'est que... Il y a la pensée à tout le monde, de tout le monde. Alors, de retour du futur, pour vous expliquer à présent qu'est-ce qui va se passer. Ce premier dimanche, deuxième mois de l'an zéro, où on efface tout, on recommence. Alors c'était tranquille, comme ça je zoomais un peu les cinq continents, je zoomais un peu tout. Et puis l'homme faisait que de la merde sur Terre pour de l'argent, comme d'habitude. Et puis c'était pas accordé. Il y a à peu près 8 milliards d'instruments, mais ils ne sont pas accordés. On n'apprend rien à l'école. Moi j'étais en visiteur, en électron libre. Je ne peux pas croire, l'infiniment grand, l'infiniment petit. On a des électrons qui gravitent sur une planète, sur un globule, le bout de Terre. Mais on n'est pas libre, parce qu'il y a des frontières, il y a des lois, il y a des trucs. Tous les trucs des hommes, que c'est pour de la merde, tu sais. Mais la petite voix qui m'a dit « Ne t'inquiète pas, tu es conçu pour ça. » C'est-à-dire que de nos jours, on ne cloue plus, on ne brûle plus pour hérésie, on ne guillotine plus. Il y a encore deux, trois endroits où on électrocute un petit peu. Maintenant, on te met sous camisole chimique, les cachetons, les benzodiazépines, tous les machins comme ça. Alors, fallait y aller tout doucement. Alors, comme je devais faire interprète, quand même. C'est quand même moi qui faisais crise de Nice. Chef de Tadam, tu vois, moi je connais ma position dans l'espace et le temps, à travers l'espace-temps. C'est des trucs qu'on n'apprend rien à l'école. La troisième couche du cerveau, la subconscience. Alors moi j'étais bien peinard, parce que j'avais écarté tous les soucis matériels. C'est normal, j'ai pas eu d'enfant, je peux. Non. J'avais trouvé ma Vierge Marie à quelques heures d'Herbucy. Ça va faire 10 ans à la lune d'Annonciation de cette année. Ça fera 10 ans que je m'étais marié au Maroc. C'était l'inverse de l'oxymore, du paradoxe. Du contraire de l'inverse du protocole. À la cascade de la Vierge, il y avait les lions d'Ifrane, il y avait les lions de Garibaldi, il y a le même petit train, il y avait, je sais pas, c'était tellement merveilleux. Mais l'homme sur Terre, il fait chier, il a le mal. Le mal, c'est l'argent. Il faut faire caisse commune que fosse commune. On a un super paradis, c'était la Terre. Pourquoi vous bougiez tout? Les saloperies de produits, là, les viandes avariées. Pourquoi vous faites de la merde? Moi je dis ma messe, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Ma messe en sol, air. Il n'y a plus rien qui m'intéresse sur Terre. Tout qui brille, la belle poufiasse, la belle bagnole.
bateau. Pas comme le niveau il est bas, je suis là pour retaper ma planète. J'ajoute maintenant, je suis envoyé spatial parce que l'esprit ne vient pas de la Terre. Par pollution électromagnétique, là c'est du pilotage automatique. Ah, il vous faut une télécommande pour le trou du cul bientôt. Oh, arrêtez. Hein. Je suis là pour le réveil de l'esprit. Liberatus, liberatum, Pancularès. Dominus du couscous sanctifius, gratificatus à tous. Oh. Je suis la messe en tant qu'interprêtre. Je suis pour tout le monde. N'importe quelle couleur, n'importe quelle religion. Hein. Le tout, c'est que tu ne sois pas un connard. Que tu ne sois pas atterri sur Terre pour faire de la merde et surtout pour en vendre. Ça, c'est la télé. Les médias. Bon. Ouais, lui, il a fait ça. Ouais, c'est mal. Caca boudin. Pourquoi il a fait ça? Vous avez donné quoi comme cacheton déjà? Ouvrir les yeux quand même. Une bonne femme qui s'est pris le bus, là. Qui s'est pris le train en bus, qui a éclaté je sais pas combien de gosses. Elle était sous cacheton. Le mec qui a tombé l'avion, il était sous cacheton. Puis d'abord, on va rajouter un 11e commandement. C'est tu ne vendras pas d'armes à ton prochain. On m'a dit oui mais ça existe déjà, c'est tu ne tueras point. Oui mais là c'est tu fais tuer par les autres. Par exemple en ce moment ils massacrent en Égypte, mais c'est des armes françaises. Tu chauffes ou tu chauffes pas là. Il y a tous anesthésiés du bocal à la jappe. Anesthésie générale, tagalaglac, tagalaglac, patron c'est ma tournée. Déjà que le niveau était pas haut, mais alors là c'est vraiment des bœufs. Je préfère encore que les brebis tricotent elles-mêmes leur laine. C'est plus simple. Tout a une âme. C'est l'âme du devenir de l'ensemble. Nous sommes tous responsables du devenir de l'ensemble. Il n'y a rien à foutre de ce que je vous dis. Alors. Moi je le sais en tout cas. J'ai fait 2 EMI, voire plus, je suis 4-1, je peux m'en vendre 41 fois. Et 2 fois pour du vrai. Dont une fois le coup du camion à Coluche, et une fois le jour de l'an 2000, la première maxi méga résurrection. N'importe qui serait mort. C'est pas l'heure, c'est pas l'heure, c'est tout. De maintenir l'acharnement thérapeutique là. Je suis électromagnétique aussi. Je suis content. Je sais pourquoi mon cœur y bat. Je connais ma position dans mon espace-temps. Je l'ai appris tout seul. C'est là que j'ai vu qu'on n'apprend rien à l'école. En une nuit de sommeil, quand on te fout la paix, t'apprends plus qu'en un an de télé ou qu'en un an d'école. Ah, oh, mais merde!